Ouais, dis. Exactement, mais c'est exactement ce que j'allais te dire. Obligé, faut que je le revoie. Et cette fois, sérieux, je donne tout, quoi. Tu vas pas comprendre. Ouais, bien sûr, je mets la gaine, tu crois quoi? T'es con, hein. Ah, louz, je suis trop à la bourre, là. Il est 8h15, faut que j'emmène Léa à l'école. Mais oui, je t'ai dit, c'est moi qui l'ai cette semaine. Ah, quoi? C'est ce soir la soirée mousse au Palacio. Ah, les boules de rater ça, non? Ah, la lune, bon, je te laisse. Allez, bisous, kiss-kiss. Kiss-kiss, ciao. Oh. Léa, t'as fini de te préparer? La première fois que je te laisse choisir tes vêtements toute seule, je crains le pire, là. Oh. Allez, montre-toi. On n'a pas le temps, Léa. Tu te montres. Mais non, je vais pas crier. Ah, la petite pute! Léa, mais on n'a pas un débardeur? Mini-jupe et des sandales à talons au mois de janvier? En plus, t'as 6 ans. Non, maman, c'est pas pareil. Voilà, c'est ça, elle a pas froid, maman. Ouais. Mais non, elle est pas chaude, maman. Écoute, tu cherches quoi, ma puce, là, exactement? Tu cherches à tomber malade et qu'on rappelle le médecin, c'est ça que tu veux? Reviens. C'est quand même très 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 mignon. Il n'y a pas à dire. Je vérifie quand même qu'il ne fasse pas trop froid dehors. Nickel, ma chérie. Même pas besoin de prendre de manteau. Oui, tu sais quoi? Tu dis toujours que je te traite comme un bébé. Eh bien, aujourd'hui, exceptionnellement, tu vas faire comme les grands. Tu pourras aller à l'école toute seule, en marchant. Exactement, tu longes l'autoroute en passant par la zone industrielle. Mon Dieu, tu m'épates chaque jour ce que tu es intelligente. Bon, puisqu'on est entre adultes, tu veux savoir comment font les femmes pour être plus sexy chaque jour? Viens par là. Elles se mouillent les cheveux avant de sortir. Pour hydrater le cuir chevelu et les pointes sèches. Et la mec, ouh, c'est froid. Et Phil, quoi? Pas le temps pour le bisou. Hein. Voilà, bisous qui volent, c'est ça. Non mais attendez là, j'espère que c'est une plaisanterie, Madame Novak. Ah, oui, bonjour, oui. Vous n'allez tout de même pas me dire que vous avez laissé ma fille dans cette tenue estivale pendant toute la journée? Eh bien, bravo! Je ne vous félicite pas! Very nice job! Mais enfin, pas du tout, elle était chez son père hier. Cet idiot lui a mis ce qui lui tombait sous la main. Chut! Tu te tais, Léa! Léa, tu arrêtes de mentir! Je ne supporte pas quand tu mens! Allez, file! File à la voiture! Écoutez, Madame Novak, Vous savez, Léa était très perturbée par le divorce. Et depuis ça, elle passe sa vie à défendre son père et à rejeter toutes les fautes sur moi. Pardon. Vous savez, c'est pourtant lui qui m'a trompée. Non, il m'a... Oui, qui m'a quittée, c'est ça. Il n'assumait pas du tout son rôle de père. Pardon, ni son rôle de cocu. Je vois que les nouvelles vont vite. Au revoir, Madame Novak. Chut. J'entends pas Morandini, Léa. Arrête de tousser, là. Tu tousses?